Quels sont les mots qui convaincront ton cœur que le seul vrai bonheur se trouve dans son amour? Quels sont les gestes qui pourront te montrer que la vérité de ta vie se trouve dans son amour? Je voudrais tant les connaître pour te conduire à mon maître. Lui seul pourra consoler ton cœur. Lui seul pourra guérir ta langueur. Lui seul pourra calmer ta frayeur et régénérer ta vie. Tu dis peut-être qu'il n'existe pas? Tu dis peut-être que tu ne peux croire en lui? Pourtant, écoute. Au fond de toi, le murmure et l'écho de sa voix. Il faudrait tant te parler. Mais toi, veux-tu l'écouter? Il a donné tout ce qu'il avait pour te sauver, pour te délivrer et régénérer la vie, le monde et toi avec lui. Pour porter les mots, nous avons aujourd'hui reçu un énorme cadeau, je le disais tout à l'heure, de comédiens de renom, Jérôme Kircher et Irène Jacob ont accepté de nous prêter leur voix, leur interprétation, de porter les mots pour nous, en espérant qu'il vous touche au plus profond. Ouverture 194 de Georges Aldas. Les mots sont les oiseaux de notre solitude. Les mots nous sont donnés pour aimer, pour nommer, pour rappeler la vie, pour fixer la patrie, pour protéger les lieux, pour couvrir les abîmes, pour accepter la nuit, pour déjouer la mort. Pour donner appui aux faibles et aux forts. Ô toi qui fis la terre, je te nomme et tu le vis. Tu dis paix sur la terre, le ciel se réjouit. Alors, je veux vous dire la bienvenue à chacun, à chacune. Tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre ce matin, quel que soit le lieu de connexion d'où vous êtes en ce moment. Et je voudrais replacer notre culte de ce matin dans la réflexion que nous menons depuis plusieurs semaines. Ceux qui étaient avec nous le jour de Pâques se souviennent que nous avions posé la question de trouver ce que ce mot de résurrection pouvait vouloir dire. Et j'ai proposé le terme de régénérer, la résurrection comme régénération, générer à nouveau la vie pour nous permettre un nouveau départ. Et donc on s'est posé la question, mais donc après, pour ce nouveau départ, est-ce qu'on peut ensemble rêver un monde régénéré? Et je proposais à ce moment-là j'ai choisi d'utiliser les mots de Jean-Claude Guilbault qui parle de sauver la beauté du monde, vous voyez? Rêver un monde régénéré. Et pour sauver la beauté du monde. La semaine dernière, les jeunes actifs de Roque Épine nous vous ont proposé de continuer cette réflexion autour de la question du sens de la vie. Et le message qu'ils nous ont porté était de se dire qu'il n'y avait au fond rien à trouver comme sens, qui soit déjà inscrit. Seul le don fait sens aujourd'hui. Et c'est applaudi tous les jours à 20 h, et seul le don fait sens aujourd'hui. Et après, alors aujourd'hui, je nous relance dans cette logique-là, aussi, puisqu'il s'agit de donner, alors nous sommes au service de ce monde régénéré, parce que Dieu donne déjà, et c'est tout le sens, le thème de notre culte aujourd'hui, c'est ce que nous allons partager ensemble. Et vraiment, je vous invite à communiquer, à utiliser les réseaux sociaux, enfin Facebook, YouTube, et quel que soit le moyen que vous avez utilisé pour nous rejoindre, vous pouvez communiquer avec nous et partager ça avec nous. Je vous invite juste à la prière avec des mots de Paul Verlaine qui nous sont dits par Irène Jacob, sagesse. Sagesse, Verlaine. Seigneur, j'ai peur. Mon âme en moi tressaille toute.
Je vois, je sens qu'il faut vous aimer, mais comment? Moi, ceci, me ferais-je? On n'entend rien, on n'est pas branché, Dieu, je crois. Votre amant? Ô justice, que la vertu des bons redoute. Oui, comment? Car voici que s'ébranle la voûte où mon cœur creusait son ensevelissement, et que j'en sens fluer en moi le firmament. Et je vous dis, de vous à moi, quelle est la route? Tendez-moi votre main, que je puisse lever cette chair accroupie et cet esprit malade. Mais recevoir jamais la céleste accolade, est-ce possible? Allô? Un jour, pouvoir la retrouver dans votre sein, sur votre cœur, qui fut le nôtre, cette place où reposa la tête de l'apôtre. Merci aux paroles, à ces mots de portés avec tellement de délicatesse par Irène. Et donc, laissons-nous porter dans la musique avec Isabelle et Françoise Zozo, au violoncelle et à la clarinette. Lettre de Dietrich Bonhoeffer à son ami Eberhard Belge, depuis la prison militaire de Tegel à Berlin, le 8 juillet 1944. Des humains vont à Dieu dans leur détresse, criant à l'aide, mendiant, bonheur et pain. Qu'on leur épargne la maladie, la faute et la mort. Ainsi font-ils tous. Tous, chrétiens et païens. Des humains vont à Dieu dans sa détresse. Ils le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain. Ils le voient dévoré par le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens vont à Dieu, sont avec Dieu dans sa passion. Mais Dieu va vers tous les humains dans leur détresse. Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix. Et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Je vous invite à chanter, fredonner, si vous voulez, ce cantique composé par mon ami et collègue, le pasteur Joël Dahan. Je crois et j'espère, et vous allez voir les paroles défiler, peut-être vous, certainement vous ne le connaissez pas, mais c'est l'occasion de l'apprendre, il est magnifique. Je crois et j'espère, du pasteur Joël Dahan. Je crois et j'espère la grâce d'un Père. Celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement.
paisible et vivant. Je crois et j'espère, Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère, l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère, une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant. Matthieu 5, 1, 16. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si de mille façons on vous calomnie à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je vous invite à rentrer dans cette méditation, dans ce message qui va se dérouler en deux parties, comme d'habitude. Donc, vous allez pouvoir, et je vous invite vraiment à interagir, à écrire dans le chat vos réactions, votre manière d'appréhender ce texte et comment on le partage, ce magnifique texte des Béatitudes qui ouvre le ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Mais pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gars qui va consulter un psychiatre. Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous. Alors je me relève pour regarder sous le lit et là, bien sûr, il n'y a personne. Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que j'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève pour vérifier de nouveau. Sans résultat, bien entendu. Bref. J'ai beau me dire que c'est complètement idiot, mais je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Docteur, ça me pourrit la vie. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? Le psychiatre se gratte la tête, je vois. Obsessionnel, compulsif. Écoutez, comptez 4 ans d'entretien psychothérapie en raison de 3 séances par semaine et je vous guéris de votre obsession.
Le patient un peu interloqué, et combien ça va me coûter, docteur? Le psychiatre répond, comptez 100 euros par semaine, par séance, pardon. Le patient déconcerté, faut que je réfléchisse quand même. Et il s'en va. 6 mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, comme ça, par hasard. Alors, mais pourquoi vous n'êtes jamais revenu me voir? Ça va mieux? Le patient répond, écoutez, 4 ans de traitement à 100 euros la séance, mon livreur de pizza m'a résolu le problème tout de suite pour 5 euros. Le psychiatre, absolument vexé, votre livreur de pizza? Tout de suite, vraiment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et le patient répond, il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit. Et ça a marché tout de suite. Les amis, n'attendez pas la fin du monde pour être heureux. Voilà le message des Béatitudes. N'attendez pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour demain. Il est à l'œuvre ici et maintenant, au cœur de la réalité. La réalité, c'est le premier terme de chaque béatitude. Ceux qui pleurent, les assoiffés de justice, les miséricordieux, ceux qui vivent dans un monde de conflits et qui cherchent à trouver un chemin vers la paix. Un monde pas simple, traversé par l'espérance et la souffrance. La quête de justice, de paix, de souffle, de consolation, de douceur, de miséricorde. Bref, un monde à habiter et à transformer. C'est notre monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un plan B. Le premier enseignement de Jésus à ses disciples est d'une simplicité absolument lumineuse. La joie et le bonheur de vivre, ce n'est pas pour demain, pour le futur, pour après la mort. N'attendez pas de mourir pour être heureux. L'Évangile ne nous appelle ni à nous conformer au monde moderne, dit l'apôtre Paul, ni à nous échapper de ce monde en créant une espèce d'arrière-monde où tout serait rose et tout miel, voyez. C'est pour maintenant, pour tous, pour chacun dans cette foule qu'il regarde du haut de la montagne. Le monde n'a pas besoin d'une projection, d'un plan d'avenir, d'un ça ira mieux demain. Le monde a besoin d'une réalité transformée. Jouir du bonheur de vivre, c'est ici et maintenant, dit Jésus. Parce que le royaume de Dieu a déjà commencé. L'intervention de Dieu, le royaume de Dieu qui vient, c'est le second terme de chaque béatitude. Et c'est toujours dit au futur, ils seront consolés, ils recevront la terre en partage, ils verront Dieu. Pourquoi au futur? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'engagement des disciples que Jésus réclame. Afin qu'en voyant le bien que vous faites, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux, dira-t-il dans les versets juste après. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloriole, la vanité d'un petit Dieu qui ne supporte pas la contradiction et l'opposition et qui recherche la servilité de ses partisans. Ce n'est pas non plus un petit Dieu qui a besoin qu'on s'agenouille devant lui comme un petit potentat local, un vulgaire chef d'État. La gloire de Dieu, c'est sa présence ici et maintenant au milieu de nous. C'est un enseignement pour les disciples et donc un appel, une vocation, une mission. Une feuille de route, un cahier des charges. Bref, voilà ce qui relève de notre responsabilité, rendre actuelle la présence de Dieu. C'est ce que nous avons à faire, nous mettre au service de ce monde régénéré par la présence de Dieu. Le bonheur du monde, dit Jésus, se joue dans la remise en route. Nous, on entend heureux, bienheureux. Et vous connaissez peut-être la traduction de André Chouraqui qui traduit ça par en marche ou debout ou joie, en marche, debout. Il s'agit, dit Jésus, de sortir le monde de sa paralysie, de sortir du confinement, sortir d'une vie arrêtée, bloquée, contaminée, essoufflée. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le mot péché. Personne ne comprend ce mot péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une vie en péché. Une vie en péché qui attend d'être régénérée, c'est-à-dire générée à nouveau. À la fois une guérison et une libération pour être
capable de se réjouir du bonheur de vivre enfin. Bien sûr, cette mise en route crée une tension entre la réalité douloureuse et pénible et le bonheur qu'il y a à reprendre sa vie en main, à accomplir sa propre vie en redevenant acteur, responsable, créant la nouvelle vie de nos propres mains. Être non conforme ne signifie pas sortir du monde ou se contenter de le dénoncer, mais bien amener cette tension de liberté qui régénère, qui remet en route quand on a une vie empêchée, dans le péché. D'où l'éventualité de la persécution et de l'insulte pour les disciples. Ça peut et ça va vous arriver, dit Jésus. Les disciples qui ne se contentent pas de jouer les rebelles ou les critiques professionnelles, à l'instar de ces fameux commentateurs qui savent toujours tout mieux que les autres. Je vais vous apprendre un mot que j'ai appris la semaine dernière. Je veux briller, va nous permettre de briller en société. Chers amis, notre monde est contaminé par une affection gravissime qui porte un nom scientifique précis. L'ultra-crépidarianisme. Retenez ce mot. L'ultra-crépidarianisme, c'est le comportement qui consiste à donner son avis sans avoir de connaissances ni de compétences sur le sujet. Et nous sommes tous contaminés par l'ultra-crépidarianisme. Nous sommes tous des ultra-crépidariens et nous ne sommes pas, nous, chrétiens, des commentateurs du monde, mais des acteurs. Notre mission consiste à apporter un ferment de liberté, la pincée de sel dont le monde a besoin pour ne pas devenir fou. Je veux citer quelques mots. Vous avez compris que moi, je suis très grand lecteur assidu de Jacques Ellul. Quelques mots de son éthique de la liberté. Le chrétien doit accepter les conséquences de sa profession de foi de chrétien, dit-il. Il ne peut se contenter de dire « parce que je crois, je suis sauvé, j'ai à vivre les vertus chrétiennes ». En réalité, il doit accepter de dire « parce que je crois, je suis responsable de la présence de l'Esprit au milieu des hommes ». L'erreur serait de croire que les hommes construisent leur monde, ce qui est très bien devant Dieu, et que les chrétiens ont à y ajouter l'amour et la liberté. En réalité, à ce moment, ce n'est plus que du vent et l'on s'engage dans un effort de nouveau de civilisation qui échouera comme tous les autres. Voilà, si on se contente de rêver au monde meilleur, cette nouvelle civilisation de l'après échouera comme les autres et ce sera toujours de la même chose. C'est certain, sauf si les chrétiens assument leurs responsabilités. Il s'agit d'arracher les choses du monde au pouvoir des puissances qui les paralysent pour les remettre entre les mains du Christ, sous son autorité, sous son pouvoir. Sortir de la fatalité pour ouvrir à la liberté, rendre la décision possible, remettre en route, en marche, debout. C'est cela la régénération. Non pas repartir de zéro en faisant table rase du réel de notre vie, mais bien rendre la puissance vitale qui nous remet debout. Voilà l'autorité qui est la nôtre en tant que chrétien, une autorité de service, rien d'autre. Alors voilà, je vous laisse réagir à cette partie. On va écouter de nouveau Isabelle et François Sozo, mais je vous laisse avec ces questions. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si notre rôle de chrétien, c'est d'arracher les choses du monde, au pouvoir des puissances qui les paralysent pour les remettre entre les mains du Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont ces puissances qui asservissent, qui empêchent la vie, la joie, le bonheur auxquelles les chrétiens sont appelés à s'attaquer? Et comment faire concrètement? Voilà, je vous laisse avec ces questions, réfléchissez-y, je vous laisse y penser pendant la musique et puis nous aurons un petit temps d'échange, de partage avec Émile. Thank you.
laisser arriver Émile avec nous. Salut Émile. Est-ce qu'on t'entend? Je ne suis pas sûr qu'on t'entende. Non, on ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends pas. Alors, le temps qu'on règle son problème de son. Vous voyez la question que je pose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, notre rôle? Au service de quoi sommes-nous? Vas-y, essaye de parler, Émile, tu peux prendre la parole. Mais quand Céline dit « prendre le bonheur d'aujourd'hui parce que la grâce nous est donnée », ok, ça, c'est le point de départ. Nous prenons la grâce. Ok. Mais alors, nous sommes au service de quoi? En quoi cette grâce peut transformer le monde? Par nos mains. Vous voyez, donc, je pose des doubles questions. Quelles sont les puissances asservissantes auxquelles il faut s'attacher? Et comment les remettre sous l'autorité du Christ, ces puissances-là? Comment transformer ce monde? Le régénérer? Quelle est l'action des chrétiens, concrètement? Christine, renvoyer l'amour de Jésus aux autres, appliquer sa générosité et sa tolérance. Appliquer l'amour de Jésus. Alors, Christine, je vois une grande puissance, je pense la plus grande d'ailleurs. La toute puissance, c'est celle de l'amour. Est-ce qu'on peut pointer les puissances sur lesquelles qu'il faudrait transformer? Ce qui aujourd'hui empêche le monde. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche? Mais au sens de mettre dans le péché, c'est-à-dire bloque la vie des gens. Qu'est-ce qui nous bloque dans la vie? Tant pis. Il se réfugie dans le chat, Émile. Ouais, ben voilà. Louise, pour réussir à sortir de la fatalité, il nous faut avoir le courage d'être créatif, oser. Oui, oui. Ah, voilà, c'est ça. Merci, Louise. Il s'agit d'oser. Mais oser faire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Et dans quelle direction? Ce qui nous bloque, c'est l'égoïsme, dit Mathias. Alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance qui nous rend égoïstes? Est-ce qu'on pourrait nommer cette puissance? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce... Pourquoi il nous arrive tellement souvent d'être égoïstes? François Baché, le fait de ne pas avoir de souveraineté sur l'économie tout entière tournée vers la quête du profit, le capitalisme. Voilà une chose intéressante. On constate, les gens constatent, ou le sentiment que le monde leur échappe, le monde économique leur échappe, qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir là-dessus. Et ça empêche leur vie, réellement. Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs, cela empêche leur vie. Et l'enjeu, c'est pas de dénoncer les puissances, hein. Je dis, on n'est pas des commentateurs. Laissez les commentateurs et les dénonciateurs le faire. Il ne s'agit pas de commenter ça, mais d'essayer d'amener le capitalisme, donc c'est-à-dire le fonctionnement économique de marché de notre société, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est celui-là qui fonctionne, comment l'amener sous l'autorité du Christ pour éviter justement l'égoïsme, la soif de posséder, effectivement l'épître aux Colossiens, l'individualisme, disent Lucie et Alban. Ce qui bloque, c'est ne pas oser de la conformité autour. Ah. Ça, c'est un problème pour les chrétiens, ne pas oser sortir de la conformité, vouloir être bien intégré. C'est un vrai problème. Ce que je disais il y a 15 jours, sont trop bien intégrés. Les chrétiens sont trop bien au chaud dans la société et ils pensent que pour rendre l'évangile acceptable, il faut se conformer dans le monde et suivre la mode. Et vous connaissez la phrase qui dit que une politique qui suit la mode est une politique des feuilles mortes qui suit l'air du temps. Ça suit l'air du temps. Eric nous dit « On a asservi à des règles émises par des responsables dont on ne se comprend pas, dont on ne respecte pas l'autorité. » Alors, il y en a un souci avec l'autorité, clairement. Dire que la colère des gens qui s'expriment à tort ou à raison, elle s'exprime contre des gens dont on pense qu'ils maîtrisent la chose pour nous. Ce dont je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très maîtres du système. Je crois qu'il y a même un système qui s'emballe de lui-même et sur lequel plus grand monde n'a prise. Quand on voit la bourse, comment elle est volatile,
une mauvaise nouvelle, un chiffre mauvais, hop, tout le monde s'effondre, puis tout le monde repart et tout. Bon, vous voyez le système qui s'emballe lui-même, la technique, ce que le monde de la technique qui calcule l'efficacité, qui fait des modélisations mathématiques et qui permet de ça. Ce système-là, comment on reprend pouvoir là-dessus? C'est ça, le monde empêché, c'est le monde qui nous échappe. Et ça, l'enjeu de l'évangile, c'est de retrouver sa liberté. Il n'y a pas de liberté. Grande découverte, il n'y a pas de liberté dans le monde. Et la vie est empêchée pour tout le monde. Et l'enjeu de l'évangile, donc le travail des chrétiens, c'est de rendre la liberté peut-être. Confondre ipséité et égoïsme, dit Céline. Alors, ipséité, voyez, c'est peut-être pour donner un peu d'explication de ça, il faut faire référence à un livre de Paul Ricoeur qui s'appelle Soi-même comme un autre, dans lequel il distingue l'ipséité et la mêmeté dans l'identité. Dans ce que je suis, il y a ce qui ne change pas. C'est la mêmeté, c'est mon caractère, etc. Ce qui ne change pas, c'est la permanence de moi-même à moi-même. On dit, ah, on te reconnaît bien là. Et puis, il y a ce qui est soi, qui change, qui évolue au fil. L'ipséité, c'est ce qui change et évolue au fil des rencontres en moi. Et j'ai deux hommes en moi, disait Paul, mais c'est à peu près ça. L'ipséité, c'est ce qui change, ce qui évolue, et la mêmeté, c'est ce qui reste, qui perd. Et je dois composer entre les deux. L'ipséité. Et donc, plus que l'ipséité, d'ailleurs, pour faire droit à ce que dit Céline, c'est la mêmeté. C'est ce qu'on. J'aimerais que ça ne change pas. J'aimerais que les choses durent. Et quand tout bouscule autour de moi, je me réfugie sur les valeurs. Voilà, quand je ne comprends plus le temps, je pense qu'il faut que je me réassure sur l'histoire, sur le passé, sur la tradition, sur ce qui me semble solide. Émile dit, ne pas se conformer, c'est peut-être ne plus respecter les règles. Ne plus. Ah. Quelle règle? Voilà, est-ce qu'on est obligé d'obéir à toutes les règles qu'on nous édicte pour être conforme au monde? À qui, voyez ce qu'il y a derrière, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, cette citation. La technique, c'est aussi un outil, tout dépend au service de quoi et en quelle main. Voilà, dit François, la technique, c'est d'abord un système qui fonctionne par lui-même. C'est le système du chiffre, c'est le système de la croissance, c'est le système de l'efficacité. C'est le principe de l'efficacité, et donc où on modélise et on pense qu'il y a des règles mathématiques qui fonctionnent. Voilà, quand c'est les mathématiques, si vous voulez lutter contre un truc qui est là, voilà, le monde est. Et donc, on ne peut pas lutter contre ça, pensons-nous. Et peut-être que la liberté, au fond, n'est pas d'utiliser les outils de bonne manière. C'est pas le sujet. C'est les mettre devant Dieu, ces outils, pour les sanctifier. C'est ça la thèse que je défends et que disent les béatitudes. C'est mettre le monde sous le regard de Dieu, avec Dieu, devant Dieu, de retrouver la place de Dieu. Peut-être c'est réglé, c'est une question d'être sur la frontière. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie. Je vous remercie de tous ces échanges très riches. La transgression n'est pas une vertu en soi, mais qui refuse de se conformer doit s'y préparer. Voilà, il y a un enjeu fort de liberté des chrétiens. Je vais revenir sur ça. Et je vais vous proposer de passer aux travaux pratiques concrètement. C'est ce que. Et on va écouter la suite du texte de béatitude dit par Jérôme Kircher, les quelques versets suivants. Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Alors, passons aux travaux pratiques. Je suis tellement heureux de ce partage qui traverse les frontières. Je vois sur le chat des gens
qui nous contacte depuis le Maroc ou depuis, je pense, Armel, qui doit être en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne. Azarias qui est au Maroc, vraiment super. Copenhague, Barcelone, la Suisse. On est tous, ce monde est au même endroit devant Dieu. Et les béatitudes nous amènent à regarder le monde. Vous voyez, avec suivre Jésus sur la montagne, c'est prendre une situation un peu de le regarder globalement. Les béatitudes prennent les situations réelles, notre monde réel, empêché, avec le lot de blocages et de prisons et de difficultés, et pour l'amener en présence de Dieu. Afin, dit l'Évangile, qu'en voyant le bien que vous faites, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Comment allons-nous assumer notre vocation de sel de la terre et de lumière du monde? Nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'une posture de dénonciation et de rupture. Nous sommes bien sel de la terre et lumière du monde. Ni d'une position de séduction et de complaisance, de conformité, on parlait de ça. Si le sel perd son goût, il n'est plus bon à rien, juste à être piétiné. On n'allume pas une lampe pour la cacher, pour la mettre sous un seau. Soyons simplement logiques. Donc, à la fois du monde et porteur de liberté dans le monde. Alors, je vous propose quatre lieux. Le premier lieu, inspiré par « Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ». Et l'esprit de pauvreté, ceux qui étaient à l'étude biblique de vendredi ont vu qu'il s'agissait de cet esprit de dépendance à l'autre, de manque en nous qui nous fait ressentir le besoin de l'autre. Alors parlons de cet esprit de convoitise, de « greed » on dit en anglais, vous savez, l'avidité, la cupidité que on a tous relevé dans le chat, on en parlait. Cet esprit d'égoïsme qui nous domine tous. Je voulais vous faire une tirade de l'avare de Molière. J'ai Harpagon qui dit « Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi puisque tu m'es enlevé. J'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, je n'ai plus rien à faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. » Vous voyez, c'est la convoitise, c'est le règne de la pulsion et de la passion sans limite. Il s'agit à proprement parler d'une pathologie du désir, un désir malade. Il s'agit d'abord avec quatre symptômes. Je vous propose quatre symptômes de cette pathologie du désir. Posséder, dominer, s'affirmer et s'émanciper. Posséder, d'abord. Pensez à un problème de sphincter. Vous voyez, ceux qui veulent tout s'accaparer, prendre, accumuler. Et ça va pour tous les sujets, ça va pour le savoir, ça va pour le pouvoir, ça va pour l'argent, pour la reconnaissance sociale. C'est l'anti-sainteté. La volonté de posséder sans limite, c'est l'anti-sainteté. La sainteté, c'est ce que Dieu met à part, de côté, consacre au sens propre du terme. Il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, des choses que je ne sais pas, des finalités qui m'échappent, des actions qui ne sont pas à ma portée. Deuxième symptôme, dominer. Dominer, vaincre, convaincre, forcer. Vous savez, ça, c'est l'anti-amour. Quand tous les rapports humains sont vécus sous le règne de la contrainte et de la violence, et notre monde est pris dans ça. C'est le deuxième symptôme de cette pathologie du désir, dominer, vaincre. Troisième symptôme, s'affirmer. Ça veut dire s'imposer. Soit par la séduction, soit par la force. Et ça, c'est l'anti-confiance en soi, de celui qui se perd dans le besoin maladif de reconnaissance. Songez aux starlettes de la télé-réalité. C'est ces gens qui ont une telle béance intérieure qu'ils veulent toujours s'affirmer partout où ils passent. Et enfin, dernier symptôme de cette pathologie, s'émanciper. Rompre avec Dieu. Je veux prendre pour moi Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous voyez, une éthique de la sainteté choisit volontairement d'accepter la limite posée dans le jardin. Le fruit de cet arbre, tu ne mangeras pas, même si le fruit est beau et agréable. Il s'agit de guérir de la tentation
de la maîtrise, de la toute-puissance, en posant une limite fondatrice. Tout prendre est meurtrier. Il ne s'agit pas d'empêcher de prendre. On a tous besoin d'argent, de pouvoir, de savoir, mais il s'agit de ne pas tout prendre. Dieu seul est Dieu, dit le prophète Saint-Hilaire. Dieu seul est Dieu. Et donc, je ne peux pas tout prendre. Je décide de respecter la limite, la loi. Face à la convoitise, le partage et le don deviennent donc des signes de liberté que les chrétiens peuvent poser dans notre vie personnelle, familiale et communautaire. C'est ce que disait Fiona la semaine dernière. Accepter de donner une part, de ne pas tout prendre, donner une part de soi, de son temps, de son argent, de son énergie, de ses compétences. Vous voyez qu'on n'est pas de la morale, hein, il s'agit pas, c'est pas bien de donner, c'est pas de la charité, c'est donner parce qu'on ne prend pas tout. Je n'ai pas tout. Et si je n'ai pas tout, j'ai besoin des autres. C'est là une vérité essentielle pour notre monde. Et donc, miser, donner, partager, mise sur l'amour. Et l'amour, ça ne se vit pas à distance. Ça, on ne fait pas à ma place. Je ne donne pas un chèque pour que les gens fassent pour moi. L'amour, c'est être présent ici, maintenant, aux personnes, aux gens, aux situations, aux êtres. On ne fait pas de la diaconie dans l'Église en donnant un chèque pour les Restos du Cœur ou pour le Biafra. L'enjeu, c'est de se mouiller soi, sortir des illusions, des grands projets pour retrouver l'humilité et la simplicité d'un lien réel qui montre que j'ai besoin de l'autre comme l'autre a besoin de moi. Voilà comment on change le monde. Deuxième proposition, heureux ceux qui ont le cœur pur. Je rappelle le sens du cœur pur. Le cœur, ce n'est pas le siège des émotions, c'est le siège de la raison, de la pensée, de la décision. Et donc, il s'agit de ne pas être déchiré à l'intérieur. Je vous en supplie, frères et sœurs chrétiens, arrêtons de diaboliser et de jouer au moraliste. Rien n'est impur en soi, dit l'apôtre Paul en Romains 14, ni la science, ni la politique. Ni le pouvoir, ni l'argent, ni les médias. Rien n'est impur en soi. Il s'agit de se tenir devant Dieu pour notre usage de ces objets humains, pleinement humains. Je n'en puis plus vraiment de ces prescripteurs du bien qui nous imposent leur point de vue et leur message avec la violence du totalitarisme. En même temps, puissions-nous sortir du conformisme, de l'esprit de troupeau, en osant dire non. S'opposer, contester. La liberté exige la clairvoyance et la lucidité. Si nous sommes en Christ, nous savons que tous ces objets ne sont pas Dieu et aucun d'eux n'est absolu. Ils sont humains, pleinement humains, mais ils n'en sont que humains. C'est ça la lucidité. Cela me permet de rentrer en résistance. Je deviens capable d'être résistant. L'esprit de liberté dont parle l'apôtre Paul peut seul nous aider à discerner pour prendre nos décisions selon les situations. Ici, le confinement, là, contre. Ce sera toujours mon choix, mais un choix libre et éclairé. Arrêtons de jouer les moralistes. Que chacun prenne sa décision en liberté, en clairvoyance, en lucidité, en étant en Christ. Troisième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais que le mot justice pour Matthieu signifie d'accorder sa vie avec la volonté de Dieu. Quelqu'un est juste, Dieu est juste. Et je suis juste quand j'accorde ma volonté et ma vie avec ce qu'il souhaite, avec son projet. Et là, je voudrais parler ici, je voudrais me faire exorciste. Vraiment, si je parle de libération, il s'agit même d'un désenvoûtement, d'un exorcisme de la tyrannie de l'urgence. Si ce confinement nous a apporté quelque chose, c'est de retrouver du temps, de profiter du silence et de la réflexion, faire émerger l'important, l'essentiel, le fondamental, consiste à sanctifier le temps qui nous est donné,
est un temps à part. Prendre un temps à part pour Dieu, pour la présence de Dieu dans le temps. Vous voyez que sortir de ces obligations qu'on se crée, il n'y a pas plus surbooké que les pasteurs. Vous savez, ces pasteurs sont des gens qui veulent toujours laisser croire qu'ils sont surbookés. Ne les croyez pas, mes amis. Les pasteurs sont des gens qui décident de leur agenda. Nous avons le temps de prendre le temps pour ce que nous voulons, c'est-à-dire sanctifier le temps, mettre un temps à part pour Dieu, un temps pour le silence, donc un temps pour l'écoute, donc pour se décentrer de soi, se mettre, tiens, que dit l'autre? La place que nous gardons pour la prière dans le monde devient une arme anti-conquête. Nous sommes en attente de Dieu, main tendue vers lui. Un temps et un espace pour l'inutile, pour la gratuité. Vous savez, ce qui ne sert à rien, qui ne peut ni s'acheter ni se vendre, qui ne peut pas rentrer dans un bilan comptable, ni enfourcher les trompettes de la renommée. L'inutile est indispensable. Ne rien faire est indispensable. Et on mesure la bonne santé des démocraties à la place laissée aux artistes, au temps vide. Non pas aux loisirs, il n'y a pas plus conformiste que les loisirs d'aujourd'hui, pour le temps vide. Ce que Ellul appelait l'absence de convoitise des résultats, pour être entièrement remis entre les mains du Père. Que les chrétiens soient libres de la convoitise des résultats. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Je ne sais pas. Lance ton pain à la surface des eaux, dit l'Ecclésiaste. Enfin, dernier, j'en resterai là, heureux les artisans, les faiseurs de paix. Puissions-nous remettre au centre, vous l'avez dit dans le chat tout à l'heure, la question du sens. Au service de qui, au service de quoi agissons-nous? Posons-nous cette question. Toujours, voilà l'instance de la question de la décision, le moment où nous prenons notre décision. Au service de qui, au service de quoi je suis en train d'agir? La question du service est essentielle. Je suis toujours au service de quelqu'un. De moi-même, de mes objets, de mes rêves, de mes projets, ou au service de Dieu. La question du service est essentielle à condition de ne surtout pas la confondre avec le règne de l'utile, qui se pose en critère absolu pour juger les êtres, les choses, les actions. Le service n'est pas la question de l'utilité. Jésus a une formule terrible là-dessus. Nous sommes des serviteurs inutiles. Réservons au centre, nous chrétiens, réservons au centre une place pour les personnes et les situations jugées inutiles. Les vieux, les fous, les enfants, les handicapés, les invisibles, les vauriens, au sens propre du terme, les vauriens. Gardons-leur une place au centre. Ils sont pour nous le cœur et le visage de l'Évangile. La manière dont nous les traitons est significative de la valeur et de l'orientation que nous donnons à nos décisions. Et donc, il s'agit de nous engager au service, à nous engager en politique. Je me lamente de voir si peu de chrétiens et si peu de protestants en politique. Il fut un temps où nous avions des rocards, des jocks, des gens comme ça au service du politique. Que les chrétiens, que les protestants se réengagent en politique et dans l'économie en tant que chrétiens, non pas pour assouvir un fantasme de pouvoir, mais pour que des chrétiens sanctifient ces outils, ces moyens au service de la vie communautaire, en les utilisant, sans les absolutiser. Il s'agit de contrer la volonté de puissance et la quête éperdue de reconnaissance qui sont les deux mamelles pathologiques de la conquête du pouvoir politique. Chrétiens, engagez-vous, engageons-nous en politique. Au service. Je conclurai. Nous connaissons tous la devise républicaine gravée. Ceux qui connaissent le temple de la rue Roquépine au Saint-Esprit savent que c'est liberté, égalité, fraternité, c'est inscrit sur le fronton du temple. Moi, je vous en propose une autre de devise qui pourrait être celle du royaume. Je vous propose justice, amour et liberté. Dans justice, j'entends la protestation pour le plus vulnérable, la finalité réelle de nos institutions, l'apaisement de la vie communautaire. Justice. J'entends la quête de l'homme et le don de Dieu. J'entends la présence de Dieu au cœur du monde. Justice.
Dans amour, j'entends le seul pouvoir qui soit réellement absolu. J'entends une puissance qui vient de Dieu pour relever, pour régénérer, pour donner du prix à une vie. J'entends la vocation de service, d'engagement, d'attention qui met l'autre au centre. J'entends la dépendance réciproque, nécessaire, fondatrice et bienveillante. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Dans liberté, j'entends la reconnaissance et la centralité de l'individu face au groupe, face à la masse, face au « on ». L'individu est central et il primera toujours. J'entends la reconnaissance de ma propre valeur et de celle de l'autre. J'entends le nécessaire combat pour dévoiler, sanctifier les puissances et les autorités à l'œuvre dans le monde. Dans liberté, j'entends l'arrachement à la fatalité, au destin, pour assumer que chacun puisse assumer sa propre vie, avec joie, avec bonheur. Dans la liberté, j'entends la seule source d'engagement qui soit véritable et féconde. Voilà la devise du royaume, justice, amour et liberté. Amen. Bienheureux celui qui sait se taire. Mais un jour, n'en pouvant plus, j'ai crié. Enfin, Seigneur, qu'attends-tu pour intervenir? Encore un peu et il sera trop tard. Ne vois-tu pas toutes ces semences du mal, herbes folles de l'égoïsme,
chiens lits de la haine, ronces de l'injustice qui envahissent notre terre ? Il y en a partout, dans les rues, dans les maisons, dans les usines et dans les bureaux, dans les villes et dans les campagnes, dans les palais et les tripots, dans les laboratoires et dans les tribunaux, et jusque dans les églises et les monastères. Qu'attends-tu, Seigneur ? Si tu laisses faire, il y aura bientôt plus sur terre un seul mètre carré où pourront pousser les fleurs de la tendresse, du pardon et de la paix que tu avais semées avec tant d'amour à l'aube de la création. Qu'attends-tu, Seigneur, pour envoyer des commandos d'anges musclés pour nettoyer cette planète qui finira par étouffer ? Fais quelque chose. Tu ne manques pourtant pas de moyens. Et voilà la réponse que me fit la Seigneur ce jour-là. Sais-tu que je t'ai mis à part, toi ? Sais-tu que je t'ai choisi, toi, pour faire ce que les autres ne font pas ? Commence, je t'en prie, par arroser le blé que j'ai planté dans ton jardin. Aide, je t'en prie, ton voisin, ton prochain, à faire de même. Cultive et entretiens patiemment les fruits de ma présence. Ne perds aucune occasion d'en planter d'autres dans la vie de celles et ceux que tu croises. Le reste me regarde. Fais-moi confiance. Je saurai à l'heure de la moisson trier et engranger les fruits qui vous aurez portés. Et nous vous invitons à écrire dans le chat les personnes et les situations pour lesquelles vous voulez que nous prions. Nous prions pour Martine qui sera hospitalisée demain, pour Marie-Thérèse qui a des soucis de cœur, pour Kurt et Yvette, notre organiste préféré, pour Jacques seul chez lui, isolé. Nous prions aussi pour le mari de Patricia qui est en coma en réa à cause du Covid-19. Nous portons aussi à la prière nos musiciens du jour, Kurt, Isabelle, François et Claire, et nos lecteurs, Jérôme Kircher et Irène Jacob. Nous prions aussi pour tous les comédiens et tous les musiciens, tous les gens du spectacle, du monde, de la culture qui en ce moment n'ont plus rien pour vivre. Nous prions pour Sarah et Régis, pour Solange et toute sa famille. Nous prions également pour Ève, pour Nikita qui vient de perdre sa femme Geneviève. Nous prions pour Isabelle et pour tous ceux qui souffrent de dépression. Et nous prions pour tous les autres qui sont dans notre cœur et que nous n'avons pas forcément cités, mais auxquels nous pensons. Et ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je laisse maintenant Jean-Claude qui va vous faire les annonces. Jean-Claude, on t'entend pas. Ça marche pas. Jean-Claude.
Alors, il n'a pas activé son micro, Jean-Claude. Excuse-moi, je croyais avoir activé les deux. Ça va? Oui, je disais que on remerciait tous les contributeurs à ce culte, à commencer par tous musiciens qui ont déjà été cités, Claire Oberkampf, que nous allons entendre au violon tout à l'heure, Kurt, bien sûr, notre organiste, qui a joué de l'harmonium, Isabelle, qui a joué de l'orgue, Isabelle et François Sozo, à la clarinette et au violoncelle, et toute l'équipe d'animation et d'organisation de ce culte. Enfin, il faut remercier Catherine Osseil, qui est dans la foulée de ce qui a été institué à Roquépine par Louise, en nous offrant un superbe bouquet du 1er mai. Merci Catherine. Je vais totalement changer de sujet, je vais vous lire un très court extrait de Jacques Ellul, dont vous avez compris qu'il était le maître à penser de notre pasteur, et qui parle de l'argent. Vous voulez attaquer la puissance de l'argent dans le monde? Inutile de faire des théories et des projets de réforme. Donnez votre argent. Vous voulez attester votre liberté à l'égard des puissances? Inutile d'inventer des actes extraordinaires. Donnez votre argent. Par ce don, vous faites coup double. Vous êtes effectivement libéré de votre argent et vous brisez pour d'autres le sacré de l'argent. Et je ne peux que vous encourager à suivre ce que nous dit Jacques Ellul. Vous voyez affiché à l'écran l'ensemble des possibilités pour nous rejoindre, mais si vous nous écoutez, ça veut dire que vous le savez déjà le faire. Je vous rappelle simplement que vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site templedusaintesprit.fr, bien sûr. Et je vous rappelle nos prochains rendez-vous classiques, à savoir le mercredi, la méditation à partir de 13h, que vous pouvez écouter. Le vendredi, il y a études bibliques interactives à 18h et dimanche prochain, notre culte à 11h. Et je voudrais terminer par deux remerciements supplémentaires. Le premier à l'adresse des jeunes de Roquépine qui nous ont offert un magnifique culte dimanche dernier. Et puis, j'aurais à remercier celui qu'on ne remercie jamais. Il s'agit de notre pasteur Samuel Amédrou, et qui fait un boulot extraordinaire pour maintenir le lien de notre communauté. Merci à toi, Samuel. Ah, il m'a eu par surprise. Il m'a eu par surprise. Moi, je voudrais rajouter au remerciement, puisqu'on est là, Irène et Jérôme, qui nous ont gratifié de toute la délicatesse dont ils sont capables pour porter pour nous ces textes, ces poésies, ces textes bibliques. Merci à eux, vraiment du fond du cœur. Voilà, un temps de bénédiction. Puis on va pouvoir chanter un cantique, si vous voulez, rapidement. Tu me veux à ton service. Voilà, c'est l'occasion de le chanter. Et puis nous entendrons Claire nous jouer du violon. On pourra rester, vous pourrez rester là dans le chat et dire bonjour, bonsoir à tous ceux que il y a un tas de gens à qui j'ai envie de dire bonjour là, que j'ai regardé vite fait, ceux qui sont là aujourd'hui parmi nous. Juste comme un envoi, le royaume de Dieu vient là où les hommes et les femmes écoutent la voix des prophètes, la parole de Jésus. Le royaume vient là où des hommes et des femmes misent sur la force d'un amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons où le Seigneur nous envoie et quand nous croyons à la force des actions modestes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la confiance, croyez que l'impossible dans ce monde est possible pour lui.
Il est le Dieu des promesses. Alors que la devise du royaume nous habite, justice, amour et liberté. Tu me veux à ton service. Si vous voulez suivre dans vos cantiques, c'est le 4407. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et mon le bien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le Le Christ nous appelle à nous fondre comme du sel dans la pâte du monde. Soyons doux, pauvres de cœur et d'esprit. Soyons présents pour donner du goût, le goût du royaume à tout ce que nous faisons. Soyons paisibles et miséricordieux. Soyons faiseurs de paix. Le Seigneur vous donne sa paix. Il vous bénit. Il vous rend libre. Il vous rend joyeux. Il bénit chacune de vos vies, ceux que vous aimez et ceux que vous avez du mal à aimer. Il vous bénit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et très beau dimanche à chacun. Mmh.